Dans son garage, aux abords de l'autoroute A20, Sébastien Pécou attend le coup de téléphone qui va l'envoyer en mission. Oui, allô ? On y va, merci, au revoir. Dépanneur agréé par la préfecture, Sébastien Pécou sait qu'en ce jour classé rouge par Bison Futé, il ne devrait pas manquer d'activité. C'est un métier qui prend beaucoup de temps, qui faut oublier les week-ends à faire la fête ou à inviter des personnes. On est tout le temps sur le qui-vive. Aussitôt arrivé sur le lieu de l'intervention, pour Sébastien commence une course contre la montre dans un environnement plutôt hostile. C'est super dangereux ? Très dangereux. Il y a des fois où ça passe vraiment, vraiment juste. Hein, et ils font pas vraiment attention à nous. Ou alors ils nous voient au dernier moment. Et donc très dangereux. Ouais. Ici, cette famille nantaise a immobilisé son véhicule sur les recommandations des voyants du tableau de bord. J'ai appelé ici, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fait le 17. Heureusement que j'ai un portable avec de la batterie. Et 20 minutes, j'ai regardé 20 minutes pour que le dépanneur arrive. 20 minutes, c'est 10 minutes de moins que le délai imposé à Sébastien. De A à Z, un dépannage est une affaire de rapidité. Il faut partir le plus vite possible pour éviter de créer un accident ou un suraccident. Donc il faut faire ça très rapidement. En ce début de week-end rouge, sur les 18 km de son secteur, Sébastien sera intervenu une demi-douzaine de fois. Sur l'autoroute, seuls les dépanneurs agréés peuvent le faire. En cas de problème, il faut donc prévenir la police ou la gendarmerie et ensuite l'assistance de votre véhicule.